Salut à toutes et à tous, c'est Zoavix, nous nous retrouvons pour le sixième épisode de Outlast. Alors nous étions arrivés, attendez, ah oui bah oui, ça a sauvegardé ici. Donc en fait on devait parler à ce jeune homme, celui qui nous avait sauvé je pense. Bon désolé si j'ai pas les sous-titres parce que... Je ne sais pas en fait pourquoi ça m'a pas installé les sous-titres. Ok, normalement on va avoir un nouvel objectif. Oh, pourquoi j'ai pas eu de nouvel objectif? Attendez, retour, retrouver le père Martin Alexa. Ok, bon ben, c'est parti. Eh, le son. Déjà, je vous préviens tout de suite, baissez le son de vos casques. C'est une prévention comme ça. Donc voilà, alors. On va vérifier s'il y a quelque chose là-bas. Ok. What? C'est quoi ça? Une madalienne? Ah bah non. C'est tout simplement. Mais comment elle les fait flipper? Oh! Un appareil photo. Des toilettes. Tout ça me semble très louche. Un pervers serait passé par ici? Ok, rien du tout ici. Bon bah. On va voir autre part. On remet la vision nocturne. Faites. Le fait qu'on met la vision nocturne, c'est le truc qui fait plus flipper dans le jeu. Wow. What the... Est-ce qu'il y aurait des piles quelque part ici? Non, pas de piles. J'en aurais bien besoin. Cet endroit me fait super flipper. Oh, un document. Ok, je le prends. Est-ce qu'il y aurait quelque chose ici? Non. Rien du tout. Ok, super. Enfin, non, pas super, justement. J'ai la manie de dire le mot super, je ne sais pas pourquoi. Ok, on ouvre cette porte. Oh non, je remets la vision nocturne. Ah, il y a trop de lumière. C'est quoi ce bruit? Oh putain. Oh yes, des piles. On a ramassé les piles. Par où on doit passer? What? Oh, j'aime pas ce bruit. Mais what the fuck? Par où on doit passer? On est coincé ou quoi? Ah, mais quoi, je suis con. Oh, what the? Oh my god! Oh my god! Oh, et quelqu'un y est là-bas. Oh, tous ces trucs me font un peu laguer. Non, 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 je veux pas te parler. Active le système d'extraction automatique. Et il se trouve où ce système? Fuck that way. Ah, je brûle. Aïe, 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 aïe. Ok. Wouah. Manquerait plus le gros méchant qui vient. Wouah. Eh mais je sens que je vais être mort brûlé vif. Bon bah ici c'est fermé. Non, faut se faufiler par là, je pense. Ouh. Ça veut garder. Ah, il va se passer un truc, je le sens. Non, je rallume la lumière.
Ouvrir quoi? Les deux vannes? What? Ah, je déteste le silence. Quand il y a du silence, c'est que c'est pas bon. C'est même... Oh my fucking... Ah! Fuck, je me cache, je me cache. Maman. Oh putain, il est là, il est là. Il est là. OK. Stresse pas. Stresse pas. Ah! Maman! Ah! Ah! Aïe! Il faut que je me barre. Ah! Ah! Merde. Fuck that bitch is me. Gine, wala la la la. J'y suis caché dans la montagne. Tu me vois plus? Oh Sarah, comment j'ai flippé. C'est quoi ce bordel? Comment il y a su qu'on était dans le casier? Comment c'est possible? Non, trace la route, dégage. Dégage, je suis pas dans ce casier, dégage. Oh, mais je suis en stress total. Il est où? Oh, mais j'ai même pas envie de sortir d'ici, je vais rester toute ma vie. Est-ce qu'on tente de sortir ou pas? Fuck this way ou pas fuck this way? Ah mais là j'ai mon doigt collé au bouton gauche. Oh non, c'est mort. Je l'entends, j'entends qu'il... Il respire, il est devant moi. Ok, je sais même pas par où il faut passer, ça le pire. Bon, au pire, on s'en bat les couilles, on part. 1, 2, 3. Non, je viens de l'entendre, je viens de l'entendre. Je suis une vraie tapette en fait. Non, allez, on sort. Le truc c'est que je sais pas où il est, du coup ça me fait encore plus flipper. Merde. Bon il est où lui? Bon allez, je mets des piles. Y a-t-il quelqu'un ici? Oh fuck that way! Tout d'un coup j'ai une voix de souris. J'ai vu me cacher ici. Voilà. Ici c'est ma maison. Une chambre. Un mètre sur... Non même pas. 50 cm carrés. C'est pas mal. Et donc j'ai plein de meubles. Hein, donc des petites traces. Avec un genre dedans. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Il est où le mec? Ah, j'entends ses chaînes. Ah, il veut me fouetter ce petit salaud. Ah, mais. Ah, il a voulu genre. Ouais, c'est. Il y a un petit silence donc je suis pas là, mais non, c'est tout le contraire. Quand il y a du silence, c'est que le tueur est là. Quand il n'y a pas de silence. C'est que ben il est en train de vous poursuivre, voilà, c'est tout. C'est moi qui fais ce bruit ou? Allez, laisse-moi passer, laisse-moi tuer ces vannes. Attends, 1, 2. Non, j'ai pas envie de les ouvrir en fait.
trop stressé pour ça. Oh, avec ce bruit là, ça me rassure pas du tout. Ça me donne encore plus moins envie de l'ouvrir. Bon allez, je l'ouvre. Il était là. Je me barre. Vite. Trace. La vanne. Oh yes. On a libéré l'eau. Oh, j'ai pas envie de rentrer, Je sens qu'il nous attend. What the? C'est quoi ce bordel? Ok, on va s'éloigner de ce jeune homme. Le mec caresse un mec qui est mort. Oh non, je vais revenir là-bas en fait. Vu que là-bas il y a le tueur, et là il y a un fou qui est en train de caresser un mec qu'il a tué dans un bain de sang. Voilà. Quoi de plus normal. Bon allez. Faut bien activer la deuxième vanne. Ok. On va y aller tout doucement alors. Très très doucement. Pourquoi je suis pas une souris, bordel? Oh fuck. Vite, faut que je me barre, il est là. Il m'a vu! Ah! Il m'a vu! Oh, pourquoi j'ai claqué la porte, bordel? Je vais me cacher sous la plomberie. Ah, j'espère qu'il va pas me voir. Je sens la course poursuite. Eh, je vais me cacher sous la porte. Tiens, ça c'est une bonne idée. Enfin, derrière la porte. Parce que je serais bien petit si je me cache sous la porte. Oh merde, pourquoi en fait j'ai fermé la porte? Maintenant je sais même pas s'il est là ou pas. Oh quel con que je suis. Oh le con. Est-ce qu'il est là? Ah mais que suis-je bête? J'ai oublié qu'il pouvait pas passer dans les trucs pour se faufiler. Il est trop gros pour ça. Ah mais j'avais complètement oublié. Bon bah du coup ça en referme. Pourquoi j'ai claqué la porte? Bordel. Je sens qu'il est là. On va avancer tout doucement. Oh fuck. Il est là, je l'ai entendu. Il faut que je me cache. En fait... Non, reviens. Je vais attendre qu'il passe par ici. Après, je vais aller tout droit. Et voilà, normalement. Non, je l'avais vu. Il est là. Il est juste là. C'est lui, là-bas. C'est pas lui? Oh, le vent que je me suis mangé. Non, mais reviens. Mais mon perso, en fait, c'est un putain de suicideur.
Oh merde. Non, toi tu reviens, je t'ai dit. Mais il m'écoute pas. Hein. Il aime se faire tuer. C'est un putain de psychopathe. Ah, arrête! Bon allez, on s'en bat les couilles, on y va. On est des malades, nous. On est des ouf. Quoique, j'ai peur. T'es où pété? Pichi pichi canard. Ah, je l'entends. Il va venir. Il va venir me bouffer. Ah non, il est là-bas. C'est lui tout au fond là. Merde, il vient vers nous. Dégage. Oh fuck. Il est là. Je l'ai vu. Tu peux dégager. Je sens qu'il est là, je sens. Ah fuck. Non, Daras, dégage. Tiens, dans ta... Non, je reviens. Ah, tu peux pas passer à espèce de giflot. Allez, dégage, espèce de gros, va. Petit gros lard. Arrête de manger des saucissons des Hamburg. Non, je suis pas là, je suis pas derrière toi. Dégage. Voilà. Voilà, c'est bien. Espèce de soumis. Viens, joue à 1, 2, 3 soleil. Oh putain. Putain de merde. Et dégage. Tu es pas beau. Je suis très laid. Voilà, comme ça. Tout doux, voilà. On va avancer tranquillement. Sans faire de perte. Oh merde, de merde. Et c'est un malin. Il est malin. Merde, je le vois. Il est où, bordel? Voilà, on s'en fout. On se barre. Merde! Pourquoi je l'ai claqué aussi fort? On ouvre la porte. Fuck! Vite, je me cache dans le vestiaire. Vite. Allez, hop. Ok, il m'a pas vu. En fait, j'ai remarqué que dans tout l'asile psychiatrique, il y a plein de vestiaires, mais c'est complètement incroyable. On dirait, tu sais, le mec, il se douche 24 heures sur 24.
Mais c'est un truc de malade. Quoique, un vaisseur, ça sert... je suis con, ça sert pas toujours à... Pour la douche, ça sert aussi à ranger ces trucs. Mais ça m'étonnerait que... Ah, je viens de comprendre. En fait, un casier est égal à une victime pour le tueur. Il doit planquer, tu sais, son petit goûter, là. Il est là ou pas? Il est là ou pas? Eddie. Bon, apparemment, il est pas là. Apparemment, je dis bien. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Tu dégages, espèce de gros lard. Dégage, dégage, retourne manger des kebabs. Dégage, dégage, dégage. Non, je suis pas là, je dégage. S'il te plaît, non, sérieusement, dégage. S'il te plaît. Est-ce que tu es parti? Le tueur, est-ce que tu es parti? Si oui, dis... S'il te plaît. Ok, 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 ok. Je le sens qu'il n'est pas parti cet enfoiré. Il est là. Et j'y vais pas. J'y vais pas sortir d'ici, vestiaire. Le truc qui le trahit, le tueur, pour pas qu'il se fasse repérer. Le con, il a été mettre une chaîne qu'on entend. En fait, on entend que cette chaîne, justement. Du coup, bah, t'es sûr que si t'entends cette chaîne, bah, c'est qu'il est là. C'est tout simple. Bon, après, c'est sûr que t'imagines... C'est un tueur ninja. Donc, tu sais, le mec, il va se casser comme Spider-Man. Dans le toit, bing, tu te retournes, tu te fais assassiner. Mais en vrai, le mec, là, que bah, je joue, comment il fait pour pisser? T'imagines le mec qui pisse? Le tueur, il vient avec sa grosse hache et il lui découpe le zgeg. Ça doit être un truc hardcore, quand même. Bon, allez, on ouvre ou pas? Le truc, c'est que je crois qu'il va rester au moins 20 000 ans dans cette putain de truc de lessive. Est-ce qu'il est là? Fuck. Es-tu là, un monstre? Au pire, on s'en fout, on va y aller. Il est là cet enfoiré. Il est là. Mais je pourrais jamais sortir, hein. J'en ai un peu marre d'ailleurs. De vivre ici dans ce petit vestiaire. Bon, quand je pourrais m'échapper, connard de merde. Allez, un. One. Tru. Tri, fort. Allez, 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 barre-toi, s'il te plaît, barre-toi. Barre-toi, connard, dégage. Mais dégage, on veut pas toi. Mais merde. Alors, mon plan, qu'est-ce que serait mon plan? Ah, j'ai une petite idée. On va courir jusque où on doit se faufiler, là. Après, on revient quand il part. Oh ouais, ça c'est un bon plan, allez. Je sens que j'ai crié comme une grosse femme. Ah 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 aïe. Dégage, dégage, dégage. Ah ah dégage. Ah j'ai mis cache dans la montagne dans une grotte. Dégage, dégage. Tu m'as pas vu, tu dégages. Dégage, dégage. Dégage. Espèce de kebab sur pattes, dégage. Mais dégage. Enfin, des kebabs humains, du coup.
Eh mais c'est un plan parfait en fait. Je me suis juste fait bouffer une oreille, c'est tout. Bon, on va attendre un peu qui se casse d'ici. On allume le truc pour éteindre le courant et on se barre. Ok. Est-ce que tu es parti? Je suis un Roumain. Est-ce que tu es parti? Es-tu parti, petit Roumain? Eh ben j'espère que oui, parce que là, je vais ouvrir le vestiaire. What the... C'est par où la sortie? Ok, on revient ici alors. Ah, vas-y. Ça me fait laguer tout ça. Je suis où? Fuck. Bon, document. Ok. Mais what the... Putain, mais je vois rien du tout. J'aurais dû jamais faire ça. Parce que là, je vois absolument rien. Attendez, c'était pas par ici qu'il y avait le feu? Ah, mais si. Faut passer par où ici? Ah ok, par ici. Merde! Mais je suis coincé? Dites-moi pas que c'est pas vrai! Waouh! Taras! Dégage, 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 dégage! Ah! Bâtard! Eh, j'ai brûlé ta maison, toi, bâtard. Wouah! Eh, j'allais faire une crise cardiaque en vrai. Faut-il passer par ici? Eh ben non, je ne pense pas. Vas-y, mais faut que je passe par où, en fait, là? Parce que j'ai pas trouvé de sortie. Ça serait ici? What? La sortie? J'ai peur de la sortie en fait là. Cache, chercher le père Martin. Bon, je remets tout de suite les piles. Donc non. Bon ben, je vous dis qu'on va chercher le père Martin dehors. Dans le prochain épisode, parce qu'il a l'air d'être super super flippant. Et j'aimerais que vous me dites, est-ce que ma nouvelle intro vous a plu, parce que j'avais fait une nouvelle intro avec After Effects, Adobe After Effects, pardon. Et donc, est-ce qu'elle est meilleure que l'ancienne? Dites-moi ce que vous en pensez. Et aussi, je voudrais savoir, est-ce que vous aimeriez que je fasse une facecam? Je voudrais des avis parce que voilà. Et donc voilà, bon bah je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner pour la suite du Let's Play. Et de regarder aussi les autres vidéos que j'ai fait. Et donc je vous dis à la prochaine. Bye!